Pour célébrer comme il se doit les fêtes de Pâques, Kate Middleton et le prince William ont décidé d'assister à la messe qui a eu lieu en la cathédrale Saint-Andrews à Saint-Dé ce dimanche. Selon des sources présentes sur place, Kate Middleton a beaucoup aimé la messe qui a été dite et n'a pas hésité à complimenter les membres du clergé pour leur implication. Après la messe, Kate Middleton et le prince William ont eu l'occasion de découvrir la Bible qui est conservée dans la cathédrale. Ce document a été signé par de nombreux membres de la famille du prince William qui se sont rendus en Australie au cours des dernières décennies. Lady Diana a d'ailleurs été l'une des dernières à signer cette Bible, tout comme la reine Elizabeth II et le prince Philippe. Selon une source, le prince William a été très ému en découvrant les signatures des membres de sa famille. Je suis certain que le prince était au courant de ces signatures, mais il a semblé surpris qu'il y ait autant de membres de sa famille qui l'aient signé. Il a semblé touché de voir toutes ces signatures, a-t-elle expliqué. Kate Middleton et le prince William ont d'ailleurs pu signer eux aussi la Bible, juste en dessous du nom de Lady Diana. Après la cérémonie, le couple s'est rendu dans les eaux de Sydney pour passer du temps avec leur fils, George. À propos de l'auteur Lucille Pesquette's derniers articles et quand Vincent Dessagna parle de sa vie sexuelle avec Roselyne Bachelot, vidéo Jacques Weber, Ségolène Royal et Has Been en politique Miley Cyrus donne un cours de langue à Antoine Decaune, vidéo,